Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica, chers amis. Nous avons installé dans le présent épisode notre... Nous l'avions installé où? Nous l'avions installé là-bas, exact, effectivement. Oula, ça lag. Ici, notre rechargeur de batterie haute capacité et nous allons dorénavant... Eh bien, je pense que nous allons nous diriger... vers ce qui... Je sais plus ce qu'on était censé faire, la base, c'est fait, d'accord, les piles, ok, pourquoi pas. Eh bien écoutez, on va se... diriger vers là-bas, l'origine de la puissance d'énergie, voilà, on va aller par là, on verra bien. Non, attendez, j'ai pas vérifié un truc au fait. Est-ce que j'ai de quoi constructeur? Il me faut quoi pour un constructeur? Un fabricateur. Un kit de câblage, un circuit intégré et deux titanes. Ça me rappelle drôlement ce que je viens de prendre. Je crois qu'on ferait bien, chers amis, de trouver ceci avant de tenter des choses. On va rester donc près de ça, on va se faire un fabricateur avant. Parce qu'il faut qu'on puisse quand même se nourrir. Et n'ayant pas trop... Oula, tu pètes et tu pues, toi. Comme on dit. N'ayant pas trop de bouffe sur moi, vous voyez, en termes de capacité à restaurer ma bouffe, je préfère encore à moins que si je peux. Je me tâte. Il me faudrait de l'argent et du corail plat. 3 d'argent et du corail plat. On est d'accord, hein, 3 d'argent et du corail plat. Plus du titane. Eh ben c'est parti mon kiki, on y va. On y va. On va chercher de l'argent par là. Et ensuite on verra bien. Je vais même aller direction la base. Récupérer les piles d'énergie que j'ai en trop. Pour les mettre en charge ou... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Wow, t'es apparu plus ou moins là, toi, par contre. C'est un poil dégueulasse comme pop, ça. Et au passage, si on peut trouver la fameuse zone violette, même si je serais curieux de... d'avoir une map. On recherche toujours la zone violette, chers amis, hein, je précise quand même au cas où, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Il me semblait qu'elle était dans le coin de départ, mais apparemment je l'ai loupé, hein, donc... Alors on m'avait dit aussi qu'il y a des choses à fouiller dans cette zone, il y a l'herbe rouge. Ça c'est de l'herbe rouge. Et c'est vrai que je l'ai pas trop fouillé, j'ai pas passé trop de temps dedans. Est-ce que ça vaudrait peut-être le coup de se... de s'y essayer... Putain, j'ai cru que ça allait être la zone... Yo ! La zone violette. Hein ? J'ai un module pour aller en dessous des 300 normalement. Voilà. Voilà. Bon bah ça devait être un bug. C'est pas rassurant quand même. Alors. Effectivement cela me dit vaguement quelque chose. Je vérifie quand même toute forme de trou hein, au passage. Et regardez, là il y a un trou. Mais c'est pas là où je souhaite aller, si je puis dire. Ok. Au passage, on peut trouver de l'argent, moi je dis pas non. Hein. Ok. De l'or. Aïe. Qu'est-ce que... T'as essayé de me bouffer? Je suis pas comestible. J'annonce. Ceux qui parlent de ma comestibilité sont des menteurs. Je m'insurge. Je ne suis pas mangeable. Je ne suis pas mangeable. Ok. Bon.
Il n'empêche qu'en termes d'argent, on n'est pas riche, hein. Ouh, c'est joli l'endroit là. T'as trouvé de l'argent dans ce coin là? Je vois du lithium. Bon, je vois aussi masse Ersac. Je sais que vous préféreriez que j'utilise le sel, tout ça, mais remarque. On a juste ici. Voilà. J'en profite pour prendre ça. Et y a pas de... Une grotte là? Je ne rêve pas. C'est complètement vide. Ah non, attendez, il y a quelque chose là. Calcaire. Titane. Merde. Merde, 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 merde. Alors, où il est? Où il est? Donne-moi ton argent. Monde de merde. Y'a du lithium partout. Oh merde, j'ai plus de batterie. J'ai plus de piles. J'ai plus de piles. Merde. Bon, on remonte. Mais je suis quand même bien déçu, hein. Je ne veux... Oh. Minerai de cuivre. Où tu es? Eh, tu es là. Ok, bon, on va à la base. On va se réhydrater, se réoxygéner. On va voir. On va essayer de trouver de l'argent. Faut trouver de l'argent. Il faut que j'ai de quoi en fait survivre dans le vaisseau. Je veux que mon cyclope soit une base mobile. Ça me semble une nécessité absolue. Il faut que je puisse survivre grâce au cyclope. Partout où je vais, sans avoir à revenir à la base. Ça sera un gain de temps monstrueux. Ah bon? Ah oui, il faut que je fasse la javel avant, je suis con. C'est logique. C'est logique. La javel. En plus, ça se trouve, j'ai de l'argent à la base. Ici. Ici. Et voilà. Eau désinfectée. J'ai encore une... Oh! J'ai encore une fuite. Fais chier. Où qu'elle est? La même. T'es encore là. Ah là, il y en a deux. En fait, ça se trouve, je peux taper n'importe où. Pardon, je me suis chié dessus. Voilà. Crac. Ok. En termes de bouffe, il faudrait peut-être que je me nourrisse aussi, ce serait peut-être pas mal. Les patates chinoises, c'est la vie. Ok, c'est bon. Est-ce que j'ai de l'argent dans le coin? Du plomb? Du lithium? De l'argent? Non. Lithium, lithium, lithium. Titane? Titane. Peut-être garder le titane. Non, non, non. Je vais regarder un truc aussi. Du coup, parce que apparemment, ça tient pas. Les constructions que je fais, c'est chiant. Faut du lithium et... bah tiens. Non, tiens, donne-moi ça. Crac, crac, crac. Voilà. On va aller s'en faire une, chers amis, parce que là, ça va plus. Hein. On n'arrive plus à survivre dans ce truc de merde. Voilà. Bonne chance. Casse pas maintenant. Hein. Mais non! Sunbeam broadcasting to all survivors of the Aurora. We've covered more than half the distance, so hold on in there. Scanning the planet for dry land as we speak. Couldn't have picked a less convenient parking spot. But we'll be in touch as soon as we have a landing site for you. Sunbeam out. Ouh. Je vois pas de différence. Léger. Il fait exactement la même place. Je vois pas en quoi il est léger.
Bon, pourquoi pas. Hop, je m'attendais à plus en fait de capacité, mais pas vraiment en fait. Ok, amélioration pour Cyclope, module de renforcement. Lingot de plastacier. Cristal d'oxyde d'aluminium. Oh bah oui, bah, bien sûr. J'ai un cristal d'oxyde d'aluminium. Ok, couteau thermique, ça pourrait être intéressant aussi pour plus tard. Est-ce que j'ai de l'argent dans le coin? Non. Du diamant. J'ai un d'argent. Un petit peu de quartz, hein, il me semble. Je ne sais plus, attendez, je regarde. Crac, 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 crac. Fabricateur, kit de câblage, circuit. Alors, j'ai deux titanes, mais normalement, j'ai pas besoin d'argent en fait. De verre, si. Là, j'ai pas besoin. Ah, si, j'ai besoin d'un petit peu de. D'accord, ok, pourquoi pas. Je dois avoir du corail plat aussi en x2 ici, non? Corail ordinaire, donc non, c'est pas celui-là. Ici, je vais pas en avoir, ok, pourquoi pas. Ici, est-ce que j'ai de... Non. Par contre, je veux bien... Oui, je veux bien déposer ça. L'impulsion d'énergie, il faudrait que j'aille voir aussi. Ok, donc il nous faut toujours de l'argent. Ah, au passage. Hop, hop. Voilà. J'ai presque envie de le déconstruire. Non, je vais pas le déconstruire parce que on pourrait revenir. Quand on va revenir à la base, il va falloir qu'on la décore tout ça. On va en avoir besoin de tout ça. Crac. Cependant, il me faut de l'argent. J'ai pris le quartz pour pouvoir me faire des. Comment que ça s'appelle? Des coffres dans le. Dans le Cyclope. Tout bêtement. Pourrait être pratique. Aïe. Je me rappelle pas de ça, je l'ai sûrement fouillé, non? Eh, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Oh là, l'ombre est assez moche. Je reconnais que là, pour le coup, c'est pas beau. Te referme pas derrière, merci. Je prends ton eau. J'ouvre ici. Tout ça pour me rendre compte qu'il y avait une ouverture ailleurs. Ça, c'est un cul-de-sac. Ok, cool. Génial. Ah, non, débris métallique. Je croyais qu'il y avait un truc dedans, mais non. Non, non, non. Ok. Tac. Tant pis. Oui, oui, je retourne dans mon truc. T'inquiète. Hop, si par contre ça pouvait éviter de laguer, ce serait cool. Vous voyez, à chaque fois qu'ils hurlent, je lag à mort. De trouver de l'argent par là, ça serait cool. Donne-moi de l'argent. De l'argent? De l'argent! Donne-moi de l'argent! Oui! Oui, de l'argent! Chéché. Oui, non, ça m'intéresse pas. Aïe. D'accord, je peux pas aller beaucoup plus profond, finalement. Je vais quand même, par principe. Merde. Réparer le CMOS. Je vois des ombres. Hop, voilà. Et on repart par là. Il faut que je trouve sur ce rebord de l'argent. Peut-être là-dessus. Là, sur le rebord, il n'y a pas grand-chose, hein. Faut dire ce... Oh. Oh. Ça. Ce doit être quelque chose. Mets le scan, Marcus, quand même. Mais Marcus, il met le scan pile au milieu des monstres.
Ah, celui-là, il est pas passé loin, hein. Redworth, d'accord, c'est la plante. C'est pas les plantes qui m'intéressent ici. Non, j'ai déjà fait ça une fois, moi, je suis crevé dedans, donc... Oh. Cela me semble intéressant. Ouvre la porte. C'est bien. On rapporte le truc. Ça me dit vaguement quelque chose, donc j'ai un doute. C'est assez vague, donc je doute sur le fait que je sois vraiment passé dedans ou pas. La porte, en fait, là, me dit vaguement quelque chose. Est-ce que je peux prendre la porte? Regardez. Oh putain. The secret place. Where there's nothing inside. Oh putain, j'ai rien dit. Cul de sac. Cul de sac. Cul de sac aussi. Ok, ouais, je sors. C'est The Secret Place Where There's Nothing Inside. C'est l'endroit secret où il n'y a rien dedans. C'est génial. Merci le jeu. Respire, Marcus. Wouh. Il faut que tu... 70%, mais je viens de le réparer il y a 10 secondes. Il y a 2 minutes. Te ferais-tu agresser, petit père? Oh, c'est quoi ça? Ça ne se scanne pas. T'as non plus. Pas non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est pas bon signe. Bon bah apparemment je suis déjà allé par là et j'ai pas trouvé grand chose. Bon bah tant pis, c'est la désillusion, hein. Désenchanté. Tout est chaos. À côté. Bon, c'est pas grave. Bah j'ai de l'argent hein, dans les couilles. Dans les couilles, il y a de l'argent. Le soleil se couche. Bah par contre, c'en est une deuxième ça, non? C'est la même? C'est la même, pardon. Bon là, il y a du quartz, je peux récupérer le quartz. Attention au roubignol. Attention au roubignol. Ici, il y a quelque chose. J'aime pas ces portes fermées. Trois chargeurs de batterie haute capacité, je peux prendre. Non, ça me dit vaguement quelque chose cette histoire. Ouais, non. Non, 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 on l'a vraiment fouillé de fond en comble, hein. Je pense. 50%. Faut pas que je reste dans le coin, je me fais agresser par ces saloperies. Apparemment me repère de vachement loin en plus hein. Et je trouve pas d'argent. Je ne trouve pas d'argent. Oui, je ne trouve pas, je ne trouve pas d'argent. Là c'est peut-être de l'argent. Argent. Oh, dommage. Dommage. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Wow! Toi, moi, pas copain être. Moi, désolé. Mais toi, moi, pas copain être, nom de Dieu. Moi, je me casse. Je me casse. Désolé. Désolé si je t'ai emmerdé. Diamant. Dégage. Or. Or. Mais c'est pas ça que je cherche. C'est la lune. Calme-toi, Marcus, c'est la lune. Aïe. Basalte. Basalte, j'en veux pas de basalte. Oh, d'accord. Ok, je croyais que c'était là qu'on allait trouver le trou. Finalement, eh ben non. Oh la vache. Ça continue en profondeur en plus, hein. Si je puis me permettre. D'accord. Bon, tant pis. Peut-être qu'ici, il y aura ce que je cherche. Basalte. Basalte. Merde. Bon. Une fois de plus, j'ai l'impression de faire de la merde. Je suis désolé, chers amis. Faut que je trouve du grès. Il n'y a que le grès, hein. Il n'y a que le Christian Grès. Seul le Christian Grey compte. Christian, où es-tu? Christian! Non, ça veut pas, hein. Oh, un diamant. C'est pas ce que je voulais. Ah, mes mails! Pardon. Pardon, pardon. D'accord. Non, non, t'inquiète, je suis pas plein. Je sais pas ce que c'est. Mais je vais en prendre. Hop. On n'aura jamais vu un joueur lâcher autant. Oh! Ça faisait longtemps que j'en ai pas vu des choses comme ça. Combinaison de plongée renforcée. Cool. Ça me sert à... 50% de protection physique. Oh, intéressant! Intéressant! Finalement! Comment ça, mon cyclope, il est... Ah la vache! C'est toute ma session de la dernière fois qui avait disparu. C'est pas juste le farm. C'est absolument toute la session qui avait disparu. D'accord. Dans ce cas-là, il me semble qu'il y a un... Parce que je veux pas créer de bug dans le jeu. Voilà, je vais faire ça comme ça. Crac. Là, normalement, je peux faire Unlock Cyclops. Et là, normalement, si je fais F8. Parce que je veux pas créer. Là, c'est juste pour pas créer de bugs, chers amis. Hein. Oui, c'est là que ça me fait chier. Ouais, je vais faire ça comme ça, regardez. Je me suis planté donc ça marche pas, c'est pas ça. F8, crac. Voilà. Unlock Subcyclops. C'est ça, hein. Voilà, normalement là ça devrait avoir marché. Crac.
Ah, ça marche pas, hein. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Merde. Ah, j'espère que ça va pas faire de bug, chers amis, je suis désolé. Là, pour le coup, ça m'inquiète un petit peu. Comme vous le savez, ma session a entièrement été supprimée, une session de tournage a été entièrement supprimée de la sauvegarde du jeu. Pourtant, j'ai bien fait la sauvegarde, hein. Je précise. Merde, faut que j'enlève ça aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est violet. Ouais, d'accord. Ça me dit toujours pas où je peux trouver de l'argent. Apparemment, j'aurais du mal à en trouver par là, donc il serait peut-être temps de me mettre au parfum. Sur où est-ce que je peux, où est-ce que je ne peux pas. Donne-moi du grès, je veux du Christian grès. Allez, 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 allez. Calcaire, non. C'est pas ce que je cherche. Ah! Il était trouvé, mais je ne sais pas ce que tu es. Calcaire, dommage. Toi, t'es planqué. Mais il était trouvé, calcaire, dommage. T'es planqué, mais il était trouvé aussi. Calcaire, dommage. Bon. On finira bien par trouver de l'argent. L'argent, c'est la vie. Da. Ok, bon, bah pourquoi l'accent russe? Alors, aucune idée, hein. Me posez pas la question. J'en sais pas plus que vous, hein. Ce sont des choses qui sortent toutes seules de ma tête, hein. Ça, je suis déjà allé là-dedans, je reconnais l'endroit. Normalement, même d'un côté, voilà, ça doit être par là, il doit y avoir une chose soi-disant atteignable. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas là? Ok, bah si c'est pas là, c'est pas là. D'accord. Oh, misty eye of the mountains below. Je sais pas pourquoi, ça non plus. Vous devez voir ma lumière qui chancelle, hein, c'est rigolo. Oh. Tout ça serait bien du grès, non? Je voudrais pas avoir à te tuer. À vous tuer, pardon. Calcaire. 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 Ok. Non mais c'est... J'ai compris, c'est bon, je me casse. Calcaire. Calcaire, bah oui. Bah oui, forcément. Non mais je me casse, cette fois-ci c'est bon, je me casse définitivement, hein, je reviendrai pas. Tant pis pour votre gueule. Je vais fouiller cette zone qui ressemble étrangement à la zone de ma base, mais qui apparemment n'est pas ma base. Mais qui y ressemble étrangement. Oh là. Un gros gros trou, il y a un testiboule là-bas. Il y a un testiboule là-bas. Ah oui, ça me dit vaguement quelque chose cette histoire. Bonjour. Ça m'intéresse, cela dit. Si je trouve l'entrée, bien sûr, hein, mais. Apparemment, ça veut pas. Hein. Il y a un trou au-dessus. Oh, ça me dit vaguement quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose, tout ça. Ouais. Non, je l'ai vidé déjà ce truc-là. C'est certain. Oh, l'anguille. Oh, la belle anguille. Oh, ça aussi, ça me dit vaguement quelque chose, ça.
Même le data pa le pad ici, il me dit vaguement quelque chose là. Oula. Je suis limite en termes de profondeur. Hein. Ça explose. Je m'en vais. Je m'en vais. T'explose. Attendez. C'est du gré ça. C'est du Christian. Christian. Schiste. Putain, j'en ai ras le bol de trouver de l'or. N'importe qui serait heureux d'en trouver, mais moi non. Ça c'est quoi ça? Ça va être de l'or aussi, ça je le sens bien. Oh tu as un diamant. J'ai rien dit. Imhotep. T'es trop nul, tu t'attaques pas à la bonne chose. Casse-toi. T'aurais pu me bouffer 6 fois, mais tu l'as pas fait, t'es nul. T'es nul. Oh là là, il y a du feu partout. Ça, wow, il y avait un bonhomme là. Bon, je crois qu'il m'a senti passer autant que je l'ai senti pour le coup. Ok. C'est nul. C'est nul. Je trouve pas d'argent. C'est nul. Je boude. Je vais finir par bouder. Donnez-moi mon argent. Et vous allez me dire, mais Marcus, tape dans ces machins, tu as trouvé de l'argent. Ah bon? Oh. Ah non, j'ai cru voir un... Oh, je suis là. Bah tu m'étonnes que j'en trouve pas d'argent. Ok, 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 ok. Là, il y a de la... Il y a de la... Pas de la magnétite. Ça, c'est de l'argent, ça. Non, c'est du sel. C'est du sel. Pardon. Autant pour moi. Ah, puis il y a mon machin qui est en train de se casser la gueule. Allez, c'est quel bouton? C'est celui-là. Voilà, hop. Répare. Mets-lui dans le fion. Voilà. Bon, c'est fait. Le petit fils du Simos, il est fait. On y va. Merci! Aurais-tu l'obligeance de bien vouloir me trouver de l'argent, s'il te plaît? Ouh! Oh, mais c'est pas rigolo ça! Oh! Putain, c'est de l'argent! Le pousse pas! Merci. En faut encore. M'en faut encore un, je crois. Chers amis. N'est-ce pas? Oui, je vire du lithium, j'en ai juste à côté de la base. Je peux me permettre d'en virer. Oh la vache! Et je vais avoir besoin de boire un coup aussi. Allez! Donne-moi un troisième. Ah! Sale bête. Bon, tant pis. Je rentre à la base. La base près de l'abysse. Parce que l'abysse, c'est profond. Donc, faut que je parte. En pleine est. À peu près 800 mètres. Faut que j'enregistre ça. Marcus, tu trouveras de l'argent en pleine est à peu près 750 mètres. Oui, j'ai déjà altéré la réponse. Je crois que c'est ça que je cherche depuis 2 épisodes. À 500 mètres de la base en pleine est. Ok. C'est noté. Mais ça a pas l'air ouvert, ça a l'air complètement bûché. Je le sens, c'est du grès. Merde, c'est pas du grès, c'est du putain du calcaire. Merde, merde, merde. Toi ! Merde, j'ai cru que c'était un air sac. Pas de
Il va falloir un dépôt de sel sur le chemin. On est dans la merde, on devrait trouver du sel. Merde! Du sel. Hop. C'est bon. Je vais avoir du corail plat à chier partout à la maison. Du coup, ça devrait pouvoir se faire. Ok. Donc 500 mètres et 750 mètres. Donc faut que je fasse revenir le cyclope ici. Oui. Oui, je vais boire un coup, t'inquiète. Simone, t'inquiète. Simone. Tiens, prends le diamant. Moi je prends ça. Oui. Oui. Bon. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est où, c'est là. Oui. Je bois, je picole. Hop, c'est bon. Ouf. Gloup. Oh, mais j'en avais déjà une sur moi. C'est tellement moi ça. Forcément. Non, la mange pas. Sois pas bête. Alors, bouton droit, déplacer. Ok, j'en ai pris 4. C'est génial. On va s'occuper de ça pour le moment. On va dire que ce sera bon. On est où dans les pièces de passage? 37 minutes. Ouh, j'ai dépassé. Ok. On va essayer de voir ce qu'on peut faire déjà avec ce qu'on a là. Crac. Kit de câblage. Allez, c'est parti. Corail plat, x2. Corail plat. J'en ai dans le coin normalement. Où exactement? Je ne sais pas. Si, je crois que j'en ai juste au bord en plus là. C'est pas ça, c'est ça que tu cherches. Tombe pas. Mais putain, mais... Voilà. Crac, ok, je l'ai. J'aurais où mes lumières continuent à miroiter. Ouais, je rêve pas, hein. Ok, donc ça je l'ai. Oh, misty eye of the mountains below. J'ai pile ce qu'il faut pour... Faut deux de coups. Faudrait deux de titane en plus, si c'est possible. Tu vas pas me faire croire que j'ai pas de titane. C'est pas grave. Là. Putain, j'ai stressé l'espace à l'instant. Ok. Donc, direction maintenant le cyclope. Et moi, chers amis, je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut!